Total respect. Zéro limite. Ah oui, vous voulez avoir des Radio Libre. L'activité cérébrale, elle se ralentit, quoi. Oui. Alors qu'a priori, pour un... Ah, d'accord, bah, c'est beaucoup plus clair. Oui, tous les soirs, dès 21h. What the fuck? Diffoulez sur Skyrock, diffoulez sur Skyrock. Non, prends elle. Allez. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Dorato, deux secondes, c'est pas mal, Flavia. Je crois que Cédric, tu as trouvé ton maître. Non, vas-y, attends. Le roi du râteau, Flavia, est dans la rue. Attends, je reprends le truc en main. Ouais, essaye d'accoster le bœuf, déjà qu'elle accepte le jeu. Expliquez-lui. Et les filles, après, on ira voir ce que vous mettez sur les photos de Flavia sur SMS. On est en train de faire un petit test. C'est pour savoir, entre lui et moi... En fait, on a fait un pari tous les deux. Parce qu'il voilà. Clair, il a fait le beau gosse. Lequel je suis un peu beau gosse. Juste votre avis. Qu'est-ce qu'elle dit? Bien sûr, mais au premier abord. Elle dit que c'est le cœur qui compte. Comme ça, juste tu vois. Non, mais quand tu vois un mec dans la rue, tu regardes un petit peu son physique, minimum. Ouais, voilà, c'est juste ça. Ouais, mais après, on ne demande pas de jouer sur la personne, juste le physique. N'agresse pas, Cédric. Hein. Je lui tape une agression là. Bah, réponds, tu réponds. Bon, là, connasse. Tu vois, on va demander aussi. Parce qu'en fait, on est avec des amis au téléphone. Ouais. Je peux te le passer. On peut te le passer. Juste non, mais tu donnes ton avis. Ça te pose. Parce que tout à l'heure, il me casse la tête. Vraiment, je te jure, s'il te plaît. Non, tiens, c'est quoi ton prénom? Agression. S'il te plaît. Non. Dis-lui que c'est Mister Monde au téléphone qui va lui parler, c'est moi. C'est Mister Monde au téléphone. J'étais élu Mister Monde ce week-end. Oui. À New York. T'inquiète pas, elle va te dire un truc, tiens. Très bien. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Miss. Salut, tous les deux sont beaux, hein. Oh, mais tu n'es pas obligé de mentir, hein. Non, pas du tout. C'est la vérité. D'accord, voilà, au revoir. Très bien. Je crois que s'en bat les couilles de votre truc, les gars. Ouais, je crois aussi. Ouais, bah, merci les filles. Merci. Au plaisir, en tout cas. Ah bah, pour une fois qu'on vous dit que vous êtes beaux, ils sont contents, ils bandent dans leur slip. Ouais, masturbez vous mutuellement. C'est surtout pour débarrasser de Cédric et de Flavien. Pourquoi vous masturbez pas mutuellement dans la rue? Qu'on appelait les keufs. La méflave, laisse tomber, il est plus excité, quoi. Eh bah oui, c'est pas souvent qu'on vous dit que vous êtes beaux, là, tous les deux, quand même. Ouais, bah attends. Bon, vas-y, trouve une autre gonzesse, là. Allez, vite. Trouvez-nous. Dis la vérité, de préférence. Bonsoir. Vas-y. On peut vous déranger deux minutes? Oui, c'est pourquoi? Juste, en fait, on est en train de faire un petit test. Et on voudrait savoir de lui ou de moi. En fait, on est avec un ami au téléphone qui voudrait vous poser deux, trois questions sur les deux. Parce que putain, là, c'est pas raté. Je suis un beau gosse, je suis un tombeur. Désolé, c'est vrai. Excusez-nous de vous déranger. Donc, voilà, donc, je peux passer à mon ami, il va juste poser deux, trois questions. Et tu lui réponds ce que tu penses réellement. Et nous, t'inquiète, on sera pas vexé. Surtout lui, il sera pas vexé. Ouais, vas-y, écoute. Très bien. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Flora, moi c'est Diffoul, beau gosse. Ah oui, d'accord. Oui, alors j'ai deux amis qui ont des problèmes pour séduire les femmes, Flora. Et il faut que tu sois très franche avec nous. Alors les deux amis, tu les as en face de toi. C'est eux, hein. Je les ai en face. Ouais. Ah oui, c'est bien triste. Hein. Oui. On va les louper. Hein. Si tu peux leur demander de se retourner si vraiment c'est trop pour toi. Hein, très loin. J'espère. Non. Tu leur demandes de reculer les gars. J'espère qu'ils ne font pas mal aux yeux. Ils entendent rien. Non, mais justement, tu peux en profiter. Pars en courant avec le téléphone. Ah non, je ne connais pas, donc je vais me lâcher. Hein. Alors, tiens, on va faire comme à la télé dans Belle toute nue. Tu sais, quand on met des. Il y a une fille qui va dans la rue. Non, j'aime pas cette fille. Non, mais t'inquiète, on va pas les mettre à poil. Hein. Non. Ah oui, c'est vrai, merde. Ah oui, bah oui. Comment tu les trouves? Commençons par le brun qui s'appelle Cédric. Ouais, c'est Cédric toi? Oui, c'est ça. Ce machin là, ça, voilà. C'est Cédric. Cédric, c'est celui qui a les gros yeux. Et l'autre s'appelle Flavia. Ouais. Lequel tu trouves le plus séducteur ou le moins repoussant? tu as le droit de dire aucun. Hein. Oh bah ça va, franchement ça va. Lequel tu préférerais? S'il restait deux hommes sur Terre et que tu sois obligé. Ah, c'est terrible. Et qu'il n'y ait pas de filles, parce que là tu pourrais me dire je pars avec une fille. Mais, et qu'il n'y ait plus de filles sur Terre, il reste toi et ces deux hommes. Lequel tu choisis? Ou un singe. Tu as le droit de te suicider. Cédric est le bras. Cédric, c'est le brun, ouais. Et Flavien, ouais. C'est celui qui a les oreilles. Le rasé. Oui, quand tu veux. Putain. Le deuxième. Flavien, ok. Ouais. C'est bien noté. Ah bah très bien. Un point. Et tu peux rendre le téléphone. Il y en a une autre, elle peut donner son avis. Très bien, oui. Comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Chloé. Chloé, vas-y, passe-nous Chloé. Ok, ça marche. Bisous, hein. Bisous, merci. J'ai eu un certain feeling, vous trouvez pas? Ouais, bien sûr. Oh, je sens que je suis très très séducteur cet été. Oui, allô? Non. Oui, bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien, très bien. Merci de participer, ça nous aide un petit peu, c'est pour deux amis qui sont en galère.
Mais oui, je vois ça. Alors, il y a le brun. Il y a le brun. Je vois bien qu'il galère. Ouais. Qui galère depuis longtemps, mais bon, lui, il va voir des filles payantes. Et l'autre qui galère depuis très longtemps et qui fait pareil. Et donc, ils aimeraient séduire sans argent. Et on aimerait savoir lequel tu préfères sur les deux. Alors, je suis désolée, hein. Cédric a l'air très très gentil, mais moi je préfère les blonds. Donc je préfère également Flavien. Également Flavien. Flavien, non. Flavien, c'est le grand gagnant. Oh. Le grand gagnant. Bravo Flavien. Et le Belge, il a un bout de nez. J'embrasse les femmes. Eh ben super Chloé. Bah ouais. C'est gentil. On est casés toutes les deux, c'est con ça. Non, non, hey, c'est pas con les filles, c'est tant mieux pour vous. Hein. Ah, oui. Ah bah oui, imaginez. Tu sais bien, Flavien a eu une érection en faisant la bise. Il aurait un rapport je crois qu'il est venu. Hein. Ah, il est venu carrément. Oh, dégueulasse. Et Cédric, lui, il a un bout d'air derrière moi, là, comment. Bon, bah super, Chloé, on te fait un gros bisou. Ok, à plus, salut. Bisous les filles. Bon, bah c'est pas mal. Bon, Cédric, qu'est-ce qui s'est passé? 2-0 là. Ouais, mais je vais laisser taper l'addition parce que. Attends, mais vas-y, paie l'addition, gros, tu leur as promis paie l'addition. Il vous paie l'addition les filles. Hein. C'est gentil. Ouais. Allô. C'est gentil. 2-0, hein. Bon bah pigeon, vous battez pas non. Revenez vite à la radio tous les deux, on a fait notre test. Vas-y. Donc victoire de Flavien, qui pourtant est haut la main. Hein. Ouais, 2-0. Hein. 2-0. Ouais, ça va, attends, c'est deux meufs. Hein. Bon bah tu les embrasses, c'était charmante en tout cas. Oui. Ouais, toi, bon forcément, ouais. Tu dois pas être du même avis que nous. Vas-y, passe-moi Flavien. Ah, physiquement, c'était pas très belle. Revenez vite et on fait un bilan alors. Pas de problème. Allez, vite. Il y a le clash de la drague qui arrive là sur Sky. Voilà nos beaux gosses. Tiens, la police arrive ce soir pour arrêter Cédric. Allez, on embarque les deux. Flavien. C'est Flav, il y a outrage, j'ai mis jeter dans la rue. Exhibit. Ah, Cédric fait des très bonnes blagues ce soir. Merci Cédric. Bon, ben à tout de suite tous les deux. Vas-y, bon, on arrive. Et on arrive. Et on va voir ce que vous en pensez parce qu'on vous a mis la photo de Flav. Donc.